L'Arctique, c'est un domaine très intéressant avec beaucoup de potentiel. C'est pas seulement les ressources naturelles, mais c'est aussi tout ce qui représente les mines, ce qui représente aussi le pétrole. Pour chez nous, les opportunités y abondent, mais une des choses qu'on doit toujours regarder, c'est comment est-ce qu'on prend avantage de ces opportunités tout en respectant le peuple qui est là et l'environnement. C'est vraiment ça sur lequel on se penche beaucoup dernièrement. Puis surtout dans le domaine de Churchill, puis encore plus au nord de Churchill chez nous, il y a beaucoup de potentiel, non seulement comme une région pour attirer le transport, puis aussi prendre avantage de la baie du Thon comme moyen de transport, mais aussi comment est-ce qu'on peut faciliter le développement encore plus au nord de là. Alors, c'est pour les jeunes qui s'intéressent, on a plusieurs projets où ce qu'on donne des aptitudes pour mieux comprendre la géoscience, la géologie, et puis comment est-ce que le tout peut vraiment travailler avec l'industrie minière pour faire en sorte que les jeunes sont bien équipés pour aller travailler dans les mines. On cherche toujours des compagnies qui seraient prêtes à être avec, faire peut-être des joint ventures ou des alliances stratégiques avec des compagnies canadiennes pour aller exploiter un peu ce qui se passe chez nous. Il y a tellement de potentiel, puis on a vraiment besoin des fois de la technologie ou un savoir qui vient de la France ou d'ailleurs qui pourrait enfin aider les compagnies canadiennes à aller plus loin dans leur développement d'entreprise. De,